Bonjour, je m'appelle Lina Calfette et je suis en quatrième année à Subiotech avec la promotion 2025. Donc j'ai effectué mon stage de quatrième année à la startup Qubit Pharmaceuticals, qui est spécialisée dans le développement de médicaments à l'aide de logiciels de simulation. Et donc moi, j'étais assistante chercheuse et je m'occupais de l'évaluation des outils qui sont utilisés par la startup pour la prédiction de la liaison de médicaments avec des protéines. Donc le principal changement entre la troisième année et la quatrième année, c'est le choix des majeurs mineurs. Personnellement, j'ai décidé de faire le double cursus avec l'USME en numérique biomédical. Et donc ça me permet de beaucoup plus me spécialiser en informatique avec des cours comme le machine learning, le deep learning ou encore à propos des dispositifs médicaux. Et je suis du coup maintenant à la fois sur le campus de Subiotech et sur le campus de l'USME. Donc mon projet fil rouge est rattaché au cursus de l'ESME. Pour cette année, on travaille avec un intervenant extérieur sur du machine learning et notre objectif, c'est de développer un modèle de prédiction pour détecter la présence d'un syndrome métabolique chez un patient.